J'espère que vous allez bien. Et il y a trop de trucs que je dois vous dire. Là, je vais faire une intro, hein, mis à part. Bon, faut bien qu'on commence au commencement. Tout d'abord, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Oui, ça fait très 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 longtemps, YouTube. Oui, je sais. Et c'est pour ça, en fait, j'ai recommencé, en fait, parce que je me suis dit, en fait, ouais, je suis impoli, moi. Je viens et tout, non, je vous raconte ma vie, mais en fait, on débriefe pas un peu. Alors, tout d'abord, je tenais vraiment à m'excuser pour mon absence, vraiment, parce que ça fait un an que j'ai pas posté. Et en fait, je me suis dit que j'allais revenir, justement, avec mon vlog du Congo, parce que je compte faire énormément de contenu au Congo. Donc, veuillez accepter mes excuses. De toute façon, vous êtes qui pour pas me pardonner? Bref, alors, je vous explique un peu. Donc, faut savoir que ça fait, on va dire, 6 mois ou plus que moi et Grace, on a... De base, on était plus, mais on a organisé un voyage, c'est-à-dire qu'à Kinshasa. Et du coup, on s'est dit qu'on allait ramener nos mamans en guise de cadeau. C'était l'anniversaire de Mérani. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, Mérani, c'est ma mère. Donc du coup, c'était son anniversaire le 20 octobre. Et comme cadeau d'anniversaire, bah, en gros, j'ai décidé de l'emmener avec moi à Kinshasa. Et il s'avère que suite à ça, j'ai eu un décès dans ma famille. Donc du coup, le voyage, il a un peu changé d'objectif. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Donc du coup, ce voyage, il sera avec ma meilleure amie Grace. Je pense que tout le monde connaît Grace. Si tu ne connais pas Grace, tu vas connaître Grace. Donc voilà, ce voyage n'a pas été facile. Donc là, je vous ai vlogué à partir du moment où je faisais les courses. Mais entre-temps, il y a eu les vaccins, il y a eu la prise des billets. Bref, il y a eu énormément de choses. Vous suivez seulement ce que je vais vous montrer. Et j'essaierai de débriefer sur mes réseaux ou faire une vidéo... où j'explique, là, à vous de me le dire. Donc je vous laisse suivre la suite. Et encore une fois, excusez-moi. On est mercredi 26 octobre. Je viens de réparer mon téléphone parce qu'il était cassé. Eh les gars, voyager à Kinshasa. Bref, là je vais faire les cours. Donc là, je vais prendre les bonbons de Francine. Francine, elle m'a dit de... Puisque Francine, en fait, je vous explique, elle est déjà là-bas. Elle m'a dit de prendre des bonbons. Calculez pas ma tête, hein. Vous allez voir après. Et là, en fait, je vous explique là, parce que moi, on m'a dit qu'à Clean, les trucs là-bas, ils sont hyper chers. Donc là, en fait, je vais prendre. Et Dieu. Bon, là. En fait, là, vu que bah, du coup, on voyage et tout, on va pas prendre des trucs de frigo. J'ai pris que des trucs, genre des gâteaux, céréales, tout ça. Et voilà. C'est l'un des ouf. Quelle âme ça nous achève. Elle a pris v'là les gâteaux, wesh. On dirait qu'elle allait mourir au bled. Je sais pas si tous tes gâteaux il y a là-bas. Mais ici aussi, c'est cher. Partout, c'est cher, en fait. On a fini les cours. J'ai qu'à tâche ça, genre. Là, je vais faire mes ongles. J'ai des cut-touch toujours. Pourquoi t'as écarté tes doigts? Bon, là, j'ai fini. Si j'ai cut-touch. Donc, franchement, je déconseille ici. Hein. Elle me dit mal à l'aise. Un jour, pib et la gare. Le moment de nuit, elle est arrivée à quelle heure en fait? Bref, après cette vidéo, elle sera bloquée. Non, donc là... Ah ouais, maman. Baba de Bazana, je vois le bout de mon image. Là, nous, on va dire, il y a la. Ça, c'est... Si tu pars avec 50 kilos, pense que 30 kilos vont rester à Kino. Jamais. Heureusement, on a un petit soin de bâtir sur une sauce. C'est
Voilà, on... Du coup, ça c'est ce que j'ai acheté tout à l'heure. Et ça, tout ce carton là, c'est en fait tous les cadeaux que je vais ramener aux gens. C'est-à-dire, de toute façon, vous allez voir, je vais vloguer mes cousins, mes amis, etc. Bref, tout est ici en fait. Et du coup, ce que j'avais prévu, c'est que, puisque ma mère ne veut pas qu'on voyage avec des valises, que le bagage à main, donc du coup, un sachet c'est pour un carton, mais je sais pas si ça va rentrer. Bon, là je suis avec. C'était trop beau! Hein? Hein? Ah! Eddie! Voilà, grâce à mon téman Zaka. Hein. Mais wesh, viens, tu vas où wesh? Oui, on va vivre les racoles. Tu voulais les esquiver, Eddie? On va esquiver Bangoté. Donc là, grâce à elle, elle a déjà fait. C'est notre collée. C'est donc deux mains et deux pieds. Et moi là, je vais aller faire mes pieds et des nattes collées. Je ne prends pas ma tête parce que je suis une bleue de couteau. Grâce. Je rêve où c'est les ma papa de Chine. Déjà, tu te mets dans le bain. Non, c'est mon père, c'est vrai, ouais. Je vais te sortir avec. Du coup, on était rentré à la maison avec Grace. Donc du coup là ce que je fais c'est que j'avais acheté du maquillage. Et là en fait je suis en train de les trier de... Comme ça voilà, je vais pas me perdre etc. Voilà. T'es belle ma vie. Wesh maman dit bonjour. Coucou ah, maman Dabi. On va où maman, je t'emmène où? Togo. Bon là je vous explique qu'on est venu prendre nos tests antigéniques, je sais même pas comment ça se passe et ma mère elle a trop peur en fait. C'est bon? Du coup, on est négatif au test. Ma mère, elle est grave contente. Elle a crié, wesh. Maman, t'es contente? Non, arrête, maman. Donc là, on va direction à l'aéroport pour emballer déjà nos bagages. Bon, là, direction l'aéroport. Mon sac, tu l'as mis où? On voyage lundi, mais on y va déjà en avance pour scotcher tous les bails. En fait, ils vont finir leur couper. Papa, wana naza kotika papa yo zala conducteur ya motoka o papa. Oyo ne soza obstacle na nzela to sokende longola yango. Biloko onyo so kuvira yango na makila na papa. Zwa lokum papa sanjo la maneto la manayo dans le nom puissant de Jésus couvre nous papa na kokena kozonga yo moko zala conducteur. Ngo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Let's go! Wesh. Bon. On est arrivé. Putain les gars, je vais acquis. En fait, je vais dépasser l'océan Atlantique en fait. En fait, là, je vous explique qu'on va juste en gros peser en avance et emballer déjà. Comme ça, demain, on aura juste à faire le check-in. Donc voilà. Bon, là, je vous explique. Je sais pas en fait si. Bref, ma mère, elle a trouvé un tonton comme ça. Et il nous a pesé. Mes habits, ça fait 23 kilos, puisqu'en fait, je vous explique, j'ai un sac, puisque ma mère ne veut pas qu'on voyage avec des valises. Un sac pour moi, mes habits. Le deuxième sac, c'est là où il y a tous les ce que j'offre aux gens. De toute façon, je vais vous filmer. Et en plus, il faut que j'aille chercher les perruques. Les perruques chez Teza. Et ouais, c'est bon. Mes habits, c'est bon. Et il me reste un carton, là où il y a tous les accessoires, c'est-à-dire mes sacs, mes chaussures. Et ça, je n'ai pas encore mis dans un sac. Mais là... Donc là, on a pesé la valise à main de ma mère, ça fait 11 kilos. Donc il faudra qu'elle enlève 9 kilos. Et après, il reste ça. De toute façon, on a pris un bagage supplémentaire justement pour mes trucs à moi. Bon, là, j'ai invité les petites soeurs, on va aller manger. Maman dit coucou. Ena, elle nous a rejoint. Enfin, Ena, elle conduisait depuis. Ena, dit coucou.
No Harris Café. Bon appétit, maman. Tu l'as mis sur YouTube. La chaîne à YouTube. Salut tout le monde, donc du coup on est à la veille du départ. Donc hier on était parti filmer les affaires et il y avait un truc qui n'était pas fait, c'est ce carton là. Et ce carton là il y a mes accessoires et tout. Donc le programme du jour c'est que là ma mère, on avait un rendez-vous à 10h pour se coiffer, pour qu'elle se coiffe. Madame ne respecte pas les gens. Donc du coup après, du coup, là, je vais faire la valise en attendant ma mère. Après, on va, chez Change Air. Elle va poser sa perruque. Ensuite, je crois qu'on fait le check-in et après, je passe toute la nuit. De toute façon, tout sera déjà prêt chez Franina pour que moi, elle me coiffe. De toute façon, je vais vlogger. Ok, du coup changement de programme, je me retrouve au checking et après ensuite on va recommencer. Donc là elle a juste posé la lace. Là ça fait une heure qu'on attend et là ils viennent de nous dire que comme quoi genre on a un test Covid à payer. Et le Congo, genre là faut payer 45€ genre. Pour carré, on a fait un test ici, hein, mais faut encore se faire tester là-bas. Et j'espère que je vais pas me traumatiser parce que moi je serai la première à vous dire de pas y aller. Je suis choquée. Bref. Je vous jure, le checking, c'est un débrief après. Yeah. Non, non, non. Let's go. C'est bon. Ça fait 32, 23 et 23. C'est carré. Oui, on va à Kinshasa. Bref, du coup, moi, Franela, elle m'attend. Elle m'a que mis ma lace de ce côté, wesh. Vous allez pas me voir, mais entendez-moi. Il s'est passé une dinguerie, les bébés chéris. Une dinguerie. Alors, faut savoir que quand tu vas au bled, faut que tu prennes un médicament tous les jours contre le palu. C'est pas, je prends mon premier médicament et tout. Faut savoir que j'ai pas mangé de la journée, donc je me suis mis à manger. Je me suis jamais autant mal senti de ma vie. J'ai commencé à avoir des crampes abdominales et j'avais une forte envie de vomir. C'est pas j'ai vomi. Mais attends, là ça veut dire que j'ai vomi le médicament. Donc en gros les Nzinzi vont me soigner en fait. Bref, du coup là, je sais pas, il est 23h et je vais chez Franela. Que Dieu bénisse cette fille. Hein. Oh là là, que Dieu bénisse cette fille. Elle devait sortir, elle est rentrée tôt pour moi pour me coiffer. Parce qu'elle peut pas laisser sa petite soeur comme ça. Bref, là, du coup, elle m'avait collé. Et pour les perruques que je devais récupérer chez Teza, Teza, c'est Change Air. Et demain, avant le vol, puisqu'on voyage à... Le vol, il est à 10h. Avant le vol, Marani, elle va aller se faire coiffer. Hein. Bref. Et ça, comment je vais garder jusqu'à ce que toi ça arrive. Bon, il est 1h et quelques. Ça, c'est la frange. Et elle m'a mis debout. J'avais pris une laisse devant, une laisse derrière. Et les gars,
Genre dans quelques heures là je suis au Congo. Et c'est une dinguerie, genre en Afrique. Oh là là. C'est le départ. Là on va chercher les perruques et en même temps ma mère elle a... Ma mère elle a mis grave des habits, wesh. Ouais, je vous jure, Junior il fait que de me parler. Vous allez voir c'est qui Junior. Il fait que de me parler, on dirait il est au courant. Du coup là il est 9h et il est 8h. On va à Carrefour prendre à manger avec Radji. Yes. Avec Radji. Donc là on a Klessouyi. Vu que c'est à côté de l'aéroport. Très important de voyager avant de voyager, de manger. Tu vas prendre quoi mon cœur? Prends tout. C'est moi qui offre. Eh les gars. Le vol il est parti sans nous. Tandis que demain on enterrait mon cousin. Du coup, on est venu récupérer les perruques. Ça, c'est déjà bon, t'es pas sûr. Mais non, c'est pas fou. Là, maman, elle star, t'as vu là. Attends, je vous mets. Bah oui. Ouais. Les amis, mon chat qui. Mais maintenant, ils attendent. Mais vu que vous n'avez pas le premier billet là, sinon vous alliez partir. Hein. Avec une science-fiction, je sais pas si je crois. Il a vraiment rempli un puce, vraiment. Mashallah. Donc là, j'ai trouvé une mule pour qu'elle mette la perruque de Francine. Oh, change air, toujours d'attaque. Mm-hmm. Donc là, on a opté pour prendre un carré plongeant long, c'est ça? Maman ni maman. Goya! Maman, t'es au Tikabango! Goya! Bon rendez-vous! Rendez-vous dans. Hein? Tess Mayemba, toujours auprès de nous! Toujours! Moi, Napota! On est à Roissy là! C'est le départ pour la RDC, quoi! Ah. Comment elle aura ma cache? Toujours! Toujours! Mais il y a un gros bassin à Cassemblant! Regardez à moi! Attends, on s'appelle là! Eh, ma mère, elle a mis grave des habits, elle a mis deux perruques dans sa tête! Comme elle n'avait plus de place. Maman dit coucou. Oh, Bichette, t'inquiète, on va arriver. Ici là. Elle est bon contact. Kozalana, yaya, ça là, qu'un aéroport, privilège VIP. Allez, si, je suis obligé. Nabi. Au revoir. Maman chérie. Ango. On va s'envoyer des messages tout à l'heure. Ok, bisous. VIP Anyama. Bonjour madame. Aïe. Bien, ils sont avec moi. Hein, on va faire la queue. Ok. Ça va faire beaucoup. Déjà, on passe encore devant les gens. Le pouvoir d'argent. Là, on va tout droit, là. Pas besoin de queue. C'est bon, t'es contente, tu es là, il n'y a pas de retard, là. Là, tu vois, VIP. Tu vas être la première dans l'avion, tu vas rentrer dans l'avion, tu vas être tranquille. Tu vas plus pleurer. Tu vas plus pleurer. C'est grave. Là, c'est sûr, tu prends ton avion. À Bruxelles, je ne serai pas là, donc tu cours. Je ne serai pas là. Là, je vous explique. On est les seuls à passer.
En fait, je ne calculais pas les tenues de ma mère. Hein. Elle a mis grave des habits pour les kilos. Au revoir. Bon, là on est dans l'avion. Là, il y a pas de, on n'a pas raté là. Tu es contente? Tu es contente de ton cadeau? Oui, oui. Je vous dis de rembourser le centime. Donc du coup, grâce à elle est derrière. Là, on monte dans l'avion, là? Là, on est dans l'avion de Kiva Kinshasa. Avant, c'était long. Bon, là, on nous a donné notre plat. Bon là il est 16h53, je trouve que c'est passé archi vite, mais ce que je comprends pas en fait c'est qu'au lieu d'avoir chaud j'ai froid, sachant que ma mère m'a dit que quand on allait rentrer au continent africain j'allais sentir une chaleur, mais j'ai grave froid, mon nez coule et tout. Et là on arrive dans 2h32 grâce à les derrière, une meuf qui dort la bouche ouverte. Bref, voilà, on est là. Là, on arrive. Non. J'ai pris du jus de pomme. Ça, c'est le goûter d'Herma. Bref, on va goûter. On arrive dans 2h10. On arrive à 2h. On arrive, on est en train de descendre. Ok, on est arrivé, ouais. Très bien. Et je suis choquée sur la clim, les gars. Ok, content que ça envoie la bague. Et je crois que je suis émue de voir ma famille. Je l'ai jamais vue. Bref. Merci Seigneur Jésus pour battre les buissons de Zambé. Je vois le coup. Eh, en fait, il fait archi lourd. Et ça me dit. On nous a donné un papier comme ça pour remplir. Grâce. Non, on fout de la tête. Libre ici là. On m'a répété hier. Les gens sont énervés, personne veut ralasse. Sale. C'est quoi ça? Ouais, bref. Viens. Et chaque étape, il nous ralasse. Et grâce. Non, ça commence les. Non, arrête de stresser, wesh, laisse-moi découvrir. Franchement. Eh, je vous explique en fait là. Je vous explique là, c'est quoi les bails, je vous explique. Quand vous venez au Congo, il y a $45 à payer par personne parce qu'en mode pour eux, genre bref, pour eux le test du Covid en France c'est pas assez, c'est pas sûr. Et en fait nous, il y a une tantine, elle nous a fait passer pour $50. Et maintenant, en fait, ça me choque en fait. T'as vu?
Et tu sais que. Et en tout cas, il est descendu du bus, il a grave dit moi, j'ai payé pour le nouveau côté. C'est pourquoi on fait le truc à la toute. En fait, il y a un truc qui peut payer, il y a un truc qui peut payer, il a fait ça, c'est pas payé. Donc là, du coup, on attend maman Cathy, la maman de grâce. Fille de Dora. Bon là en fait je vous explique, on est dans une salle en fait je vous explique là. Non j'ai même pas fini, tiens j'ai la flemme de remplir. Du coup là on nous appelle, c'est quoi pour les visas? On nous appelle pour les visas. Hello. En fait ce qu'on nous disait c'est vrai en fait les gens. C'est la dinguerie voilà. Donc là elle est regarde braquée, ah, ta mère elle est là. Bon, là en fait on vient de sortir le Congo, franchement je vais essayer de tout vous vlogger parce que bah réalité va. Bonsoir. Merci. Oui. Tu me tiens au jus, j'ai la séparation. Vous c'est Karim, vient vous chercher? Oui. Accompagne-moi toi et avant. Bon. Là c'est les toilettes du Congo, j'avais un peu des préjugés. Non ça va, c'est propre. Ça va, ça sent bon, il y a une bonne odeur. Oui. Je me suis dit, ah un serpent dans les cuvettes. Un truc qui rentre dans le hic. Quatre. Dis coucou maman. Donc là nos valises ils sont là. Ah il y a la wifi ici. La photo. Bon, là, il y a des gens qui ont pris nos bagages. Il faut les payer, bien évidemment. Et ensuite, après, c'est la sortie là-bas. Donc, je pense que je vais arrêter de voguer. Après, c'est la sortie, puisqu'il y a une meuf qui veut pas. J'ai pas envie qu'on me vole. Sinon, vloguer, baby. Mais bref, je suis bien arrivée. Dieu merci. Nos bagages, ils sont arrivés. Parce qu'il faut savoir, notre vol, on l'a raté. Donc, merci Yanina d'avoir. Que Dieu te bénisse. Quand je reviens, je vais tenter au resto. Il y a des bus? Oui, il y a des jolis bus aussi. Tu vois quoi? Là, on est toujours en Dili. Au compte de tête, ok, mais il y a un problème. Si nous sommes à Kinshasa, international, bisous pour très important pour moi. Abigail, ça c'est la musée. Le musée, ok. Oui. Ma soeur va visiter. Oui, oui. Ma soeur va visiter. Très bien. Sans vous attendre, je pense que c'est moins de 30 dollars. Oh, mais la dame, elle a... Oh là là. Sans vous attendre, étrangers, expatriés. Là, tu as combien de bandales? À partir de ça, c'est le camp Gopolo. La caserne militaire. Ok. C'est maintenant un peu. L'hôpital, c'est quand même. Là, je vous explique en gros, on a débarqué directement au deuil. Les sœurs de ma mère ne savaient pas qu'on venait. Il n'y a que le mari de ma tante qui savait. Donc là, en fait, c'est la famille de ma mère. Et maman, quel est les banoyos, pardon. Et. De tout. Regardez comment elle ressemble à ma maman. Oh. Grave, go. Voilà, je suis avec Grâce. En fait, je vous explique la situation du balai. Parce que j'ai pas déballé tout. Donc là, en fait, je vous explique. C'est la surprise en fait. Ah, les Moudinda. Bref. Du coup, genre, Lise, elle sait pas que je viens.
Du coup, là, on va la chercher. Je lui ai dit en mode ouais, que j'ai besoin d'aide, qu'elle me rende un service. Donc, elle, là, elle croit qu'elle va me rendre un service, mais elle va me voir en fait. Ouais, quoi, avec la fille, c'est sa soeur. Ouais. Du coup, grâce à lui, on voit un message en mode pour faire Verma et tout. Et elle parle avec elle normal. Lise, franchement. Bref, en plus, elle habite à côté, donc ça va. Oh, papa. Ouais, tu veux aller la chercher dans la rue? Oui. Bah, c'est plutôt Qu'est-ce que tu as fait?